Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne James Craft. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager ma participation au concours d'univers scrap. Voilà, donc pour Flo, je lui ai préparé des créations. Déjà on va commencer par la première. Donc c'est un album photo en bois, voilà, avec des éléments en bois. Je suis venue mettre donc des anneaux et pareil, mettre donc ici de la dentelle en toile de jute, hein, avec bien sûr des éléments en bois. Je suis venue coloriser avec le feutre blanc de chez Action, vous savez, ce fameux feutre où on peut coloriser, hein, sur du bois, sur du métal et sur du carton, enfin voilà, sur tout support en fait. Donc je suis venue le coloriser en blanc. Je suis venue mettre pareil ici cet élément en bois. Pour moi c'était le thème du temps. Donc voilà, avec le temps va, tout s'en va. Donc voilà. Et ensuite je suis venue donc mettre des petits strass. Voilà. Et là c'est un album donc photo comme ceci. Il se présente comme ceci. Voilà, et là, on va pouvoir mettre tout plein de photos. Donc là, bien sûr, je suis venue coller une petite, un petit tag. Comment on appelle ça? C'est pas un tag, hein, c'est... Bon, bref. Je sais plus. Enfin, bref. Donc voilà, je suis venue coller ici une petite photo d'un appareil photo. Voilà, pour préciser, bon... Hein. On sait que c'est pour mettre des photos. Voilà. Je suis venue mettre des petits perles plates comme ceci dans les tons roses. Ensuite, ben voilà, hein, ça suit. Et là, je suis venue sur la couverture de l'album et le dos de l'album, des enveloppes comme ceci qui se déplient. Donc là, je suis venue mettre donc deux petites tamponnes assorti au papier, et là on a juste à tirer comme ceci, et voilà ce que ça donne une fois. Donc là je lui ai mis, voilà, le même, sauf qu'il est un peu plus grand. Là il est pailleté et là il est tout, bah, tout simple, voilà. Et là elle va pouvoir écrire ce qu'elle veut par rapport à ce qu'elle va mettre à l'intérieur, et puis là si elle veut bien y mettre une petite photo aussi, voilà. Voilà, elle fera ce qu'elle voudra, bien évidemment. Et là, de ce côté aussi, mettre à plat, hop. Voilà. Ça s'ouvre comme ceci aussi. Et là, voilà, ça donne ça. Donc, j'espère que ça lui plaira ce jour. Elle l'a reçu, donc voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre comme ceci, voilà. Et avec... ce support, cette enveloppe en fait, qui se plie, qui se déplie en trois, vous pouvez le poser comme ceci, et là voilà, elle pourra, je sais pas si, bon, c'est sûr que de hauteur c'est pas top, mais voilà, ça fera comme ça, poser, ça fera comme ça, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous aura donné des idées, voilà. Donc là il y a une petite encoche où vous pouvez donc faire passer la pointe de l'enveloppe, et là je vais venir mettre donc les trombones pour faire tenir bien sûr l'enveloppe, voilà, l'appareil, hop hop hop. Voilà. Voilà. Oh, bah zut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve juste super. Il est simple à réaliser, franchement. Il suffit d'avoir des éléments en bois comme ça, et puis après venir faire des, voilà, l'intérieur. C'est juste
top. Voilà. Ensuite, je lui ai préparé, donc je lui ai fait une petite carte assortie avec donc ma création. Voilà, donc je suis venue rajouter donc un élément en bois comme ça, une petite horloge. Je suis venue pareil mettre donc des strass. Là, j'ai mis un petit sentiment juste pour toi. Pareil avec des strass, je suis venue couper, je suis venue ancrer le tour avec ce fameux feutre. Le feutre que j'ai de chez Action, voilà. Ouais, je cherche mes mots encore. Et là, je suis venue juste lui mettre un petit là, James Crab. Voilà, comme ceci. Ensuite, à côté de ça, je lui ai mis des petits présents. Voilà, donc des petits présents. J'ai mis des petits tampons comme ça de Gorgeous. Voilà, donc c'est ça. Je lui ai mis ça. Je lui ai fait ceci aussi. Voilà, un petit présent comme ceci. Et alors, je lui ai pris un petit présent comme ceci, juste trop mimi. Voilà. Alors, le plus beau bonheur est celui qu'on partage. Voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment un bonheur de partager et de créer et de participer à des concours. Donc voilà, le message, il est là. Voilà, et puis bien évidemment, à l'intérieur, hein, il y a mon petit mot. Et bien sûr, j'ai écrit en rose. Hein. Donc voilà, voilou. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des petites idées. En tous les cas, moi, ça me fait toujours plaisir, vous le savez déjà. Donc voilà. Ben, écoutez, je vais devoir vous laisser. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Surtout, faites attention à vous.